que tu dis de ça? Mission accomplie! Voilà, je suis plus un débutant! Hein? Je suis trop fort! Allez, avoue, ça t'embouche un coin, pas vrai? Non, je suis plutôt consternée. Tu l'as vraiment fait. Tu dois vraiment avoir trop de temps libre. Mais j'ai réussi! Je te trouve pas très sympa sur ce coup-là, tu sais. Eh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant à vouloir à tout prix m'impressionner? Eh ben, t'es tout le temps de mauvaise humeur. Je voulais juste me montrer amicale. Juste pour te faire plaisir. Donc, tu veux devenir amie avec le guide? Non, pas comme ça. T'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Je veux qu'on soit amis, c'est aussi simple que ça. Amis. Tu veux dire... toi et moi? Oh, allez, t'es pas obligée d'être toujours aussi formelle. Je me présente, je m'appelle Boruto Uzumaki. Bon, peut-être que c'est un peu bizarre d'utiliser mon vrai nom en jeu au lieu d'un pseudo. Quel tordu celui-là! Quoi? Ah. Oh, je suis crevée. Je reconnais que j'ai peut-être un peu exagéré. Oh tiens, Boruto est descendu. Oh là là, j'ai super faim. Quoi? J'ai un deuxième exemplaire de Ninja Heroes, alors je l'offre à Sarada. Oh, comment ça se fait? Tu en as deux? Bah, disons que j'ai décidé d'acheter le jeu après notre petite discussion. Et exactement le même jour, mon parent me l'a envoyé aussi. Mon parent a dit que je devrais y jouer, parce que c'est très intéressant. Oh, c'est vraiment très gentil de sa part. C'est généreux. En tout cas, j'ai pas besoin de deux exemplaires. Tu peux en avoir un, Sarada. Tu as bien dit que ça t'intéressait, hein? Mais je ne peux pas accepter. Bah, si tu en veux pas, je vais le jeter. Le jeter? Ce serait du gâchis? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce serait du gâchis. Alors fais un geste et accepte-le, c'est tout. Oh. Mais, tu vois, ça me dérange quand même de te le prendre. Et si on disait plutôt que je te l'emprunte? D'accord, si tu veux. On a tous les trois le jeu, Boruto. Alors, on peut jouer tous ensemble maintenant. Ouais, d'accord. Je propose qu'on se retrouve en jeu un peu plus tard dans ce cas. Ok? Ça marche, bonne idée. Mais comment est-ce qu'on va faire pour se retrouver? Ben, d'abord, tu lances le jeu, d'accord? Ensuite, tu sélectionnes les paramètres... Les autres devraient avoir terminé le réglage des paramètres. Mais après, jouer à ce jeu avec l'équipe 7, je dois dire que ça me fait quand même un peu bizarre. Boruto. On dirait que vous avez tous les deux compris comment lancer le jeu. Waouh ! Les jeux d'aujourd'hui sont vraiment incroyables ! Je comprends maintenant pourquoi tu les aimes tant. Ah, tu comprends ce que je disais maintenant? J'ai joué à beaucoup de jeux, mais celui-là, je trouve que c'est le meilleur de tous. D'ailleurs, les avatars que vous avez choisis sont plutôt... Ouais. En fait, au début, je pensais choisir le 7e Hokage, mais j'avais pas vraiment envie d'être un homme. Ah, c'est pour ça que t'as choisi ta vieille dame, alors? Pour être honnête, ça ne me met pas vraiment à l'aise de lui ressembler. Moi, j'admire mon parent. Donc je suis content de pouvoir lui ressembler. Maintenant qu'on est tous là,
Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit combat facile pour se mettre en jambes? Très bien. Je vais vous organiser ça alors. Hein? Oh! Et toi? Qu'est-ce que... La dernière fois, t'as disparu sans prévenir. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Eh bien, tu sais, j'ai mes secrets. Eh, qui c'est ça? Oh oui, elle, c'est notre guide, Nanashi. Je vois. Donc, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans le jeu, je peux lui poser des questions? Peut-être bien, oui. C'est toujours. En fait, elle, c'est la navigatrice des événements. Mais elle aime pas trop s'occuper d'autre chose. Les mots peuvent blesser. Je t'ai pourtant promis que je t'aiderais, non? Oui, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Mais je pensais pas que t'étais sérieuse. J'avais l'impression que t'avais pas envie. Il arrive que j'ai envie d'aider, mais je dois bien reconnaître que ces moments-là sont très, très rares. J'aurais peut-être mieux fait de rien dire. Je sais que tu es la guide des personnages de ce jeu, mais est-ce que c'est vrai que tu peux configurer un combat selon tes envies? Ah, ça c'est rien du tout. Je vais te dire, dans cette dimension, c'est comme si j'avais des pouvoirs magiques. C'est vraiment incroyable. Et Boruto, Nanashi a dit qu'elle accepterait de nous aider. Oui, mais... Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est bon, n'insiste pas. Un combat, c'est bien ça que vous voulez. D'accord, je vais vous préparer ça pour que tu puisses jouer avec tes amis, Boruto. Oh, d'accord. Elle est plutôt insistante, dans le genre. Oui. D'accord. Alors c'est parti pour le combat. Je compte sur toi, hein, Nanashi? Ok. Je lance le combat. Garde. Oh, c'est génial! J'ai vraiment l'impression de me battre! C'est vraiment extraordinaire. Bien, c'est le moment de se lâcher! Heureusement que j'ai pris le temps de lire le manuel. Au moins, je sais un peu comment me battre. Sérieux? T'as lu ce truc? T'es vraiment une intello, Sarada. Bah, on n'est pas censé le lire? C'est pas obligé. Moi, par exemple, je l'ai pas lu. Et j'ai eu aucun problème. Tu n'étais pas comme si tu n'avais pas eu besoin de mon aide, Boruto. Je dois laisser les bras en artiste. Je ne peux pas m'attirer. Merde, ne coupe pas la parole comme ça. Tu m'as fait peur. Je suis intervenue parce que tu racontais des cracks. Allez, du vent. Je suis là. Je dois aller célébrer le cours à mon âme artiste. Bonne chance. Je rejoue dans la lumière une autre fois. Tu n'iras pas. Tu te débrouilles bien, Boruto. On passe à l'attaque. Ouais, tout ce que tu fais. Je crois qu'on a presque terminé. Je dois aller célébrer le cours à mon âme artiste. Je suis là. Allez, du vent. Maintenant, tu vas mourir comme le vulgaire insecte que tu es. Nous avons un gagnant! Bravo! Ce jeu est très amusant et si réaliste. Je savais que ça te plairait, Mitsuki, mais Sarada, je m'y attendais pas. T'es plutôt têtu d'habitude. Bah, vraiment? Personnellement, ça va. Ça sera de mieux en mieux. On continue. Et si je deviens accro? Merci beaucoup, Nanashi. C'était vraiment génial.
On dirait que vous vous êtes bien amusé, Boruto. Ça me fait plaisir. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit juste que... je suis contente que le jeu vous plaise autant. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu nous as préparé un super combat. C'est vrai, il a raison. Merci, Nanashi. Si vous vous amusez autant, pourquoi vous ne reviendriez pas jouer demain aussi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça te ressemble pas de nous inviter comme ça. En fait, ce n'est pas vraiment à toi que je parlais. Moi, ça me va. J'ai très envie de rejouer à ce jeu. Comme tu le sens, Boruto. Alors, on sera tous les trois de retour pour jouer. Cool. Par contre, je dois rentrer maintenant. Ma mère a besoin de mon aide. Je vois le genre de jeu que c'est maintenant. C'est parfait. Moi aussi, je dois y aller. Il faut que je discute avec mon parent. D'accord. On se revoit tous demain, alors. À plus, Boruto et Nanashi. Et maintenant, je fais quoi, moi? Je crois que je vais aller faire un petit tour. Salut. Et tiens, c'est marrant. Je crois que tu m'as appelé par mon nom pour la première fois. Tiens, c'est vrai ça. Je sais pas ce qui t'a pris, mais j'avoue que ça m'a fait plaisir. Quoi? C'est juste que je ne suis pas comme ça d'habitude. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. C'est tout. Ah bon? C'était vraiment sympa, mais je suis complètement crevée. J'ai passé beaucoup trop de temps devant cet écran. Bien. Ouais, c'est super. J'adore voir les gens s'amuser autant que ça. Ça me fait tellement plaisir. C'est tout ce que je veux. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Je suis un véritable génie. Il est impossible que j'échoue. Mon plan est parfait. Voilà. C'est pour cette raison que Maître Katasuke aurait dû se montrer beaucoup plus aimable envers moi. Mais il passait son temps à me critiquer, à me dire que je faisais mal les choses. C'est tout ce qu'il savait faire, ce n'est qu'un vieux prétentieux. Personne n'a le droit de me dire ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ça, je fais ce que je veux, un point, c'est tout. Tegusé ne s'est pas lancé à corps perdu dans la recherche de pointe pour se contenter de créer des inventions inutiles. Sérieusement. C'est pour cette raison que je... Alors? Hein? Oui, oui, ça progresse. Facteur de récupération à 98% comme prévu. Nous pourrons passer à l'action dès demain. C'est le monde des ninjas tout entier qui sera ébranlé. N'est-ce pas, Maître Mertz? Excellent. D'habitude, t'es pas là pour prendre le petit-déjeuner avec nous, papa. Je suis désolée de ne pas pouvoir petit-déjeuner avec vous tous les matins. Et là, t'as terminé le boulot, papa? Non, bien au contraire. Je suis sur une mission importante en ce moment. Je ne pourrai peut-être plus manger avec vous pendant un bon bout de temps.
Alors aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on mange tous ensemble, c'est ça? Désolée. C'est pas grave. Je sais à quel point tu travailles dur, papa. Merci, fiston. J'y pense, Boruto. Il y a une chose importante dont je voulais te parler. Hmm? Ces derniers temps, on a remarqué que beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo finissent par tomber d'épuisement. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Les détails ne sont pas encore très clairs. En tout cas, une chose est sûre. Ça n'a pas l'air d'être une simple coïncidence. Bien sûr, je ne t'interdis pas de jouer, mais je te demande juste d'être très prudent et raisonnable. Comme tout bon ninja. Merci pour le petit déjeuner. Il faut que j'y aille maintenant. Oh, moi aussi, j'ai une mission qui m'attend. Eh bien, vous êtes drôlement occupés tous les deux. Fais attention, papa. Toi aussi, Boruto. C'est justement ce que disait mon père ce matin. Des gens qui font un malaise après avoir joué à des jeux vidéo? Hé, est-ce que le jeu dont parlait le 7e Hokage, c'était Ninja Heroes? Je sais pas, j'ai pas posé la question. C'est vrai que je me sens vraiment crevé après avoir joué. Ça, c'est bizarre. Oui, mais c'est juste tes yeux qui fatiguent, non? J'ai pas l'impression que ce soit juste mes yeux, pas vraiment. Peut-être que je devrais me renseigner là-dessus. Hein? Te renseigner? Il y a plein de gens dans Ninja Heroes. On n'a qu'à leur poser la question. Ils sauront nous dire, eux. Ça, c'est une bonne idée. On avait prévu d'y jouer aujourd'hui, de toute façon. Alors autant en profiter. Bon, d'accord. Cette mission m'a fatigué. Mais je vais quand même jouer un peu. Faire un malaise après avoir joué aux jeux vidéo? Il faudra que je me renseigne à ce sujet pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Je vais te graver une nouvelle marque. Et tu as intérêt à te laisser faire cette fois. Arrête de pleurer, ça ne changera rien, tu sais. Mais c'était quoi ça? Hein? Boruto! T'avais l'air complètement dans la lune. Shikadai et les autres sont partis poser des questions. Dites, cette cinématique bizarre qui s'affiche quand on lance le jeu, qu'est-ce que c'est exactement? Hein? Je n'ai pas vu de cinématique. Ah si! Je viens tout juste de la voir. Mais c'était beaucoup trop flou. J'y voyais rien du tout. Franchement, je sais pas ce que tu as vu, mais nous, en tout cas, on n'a pas du tout vu de cinématique. Hein? Vraiment? Si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, repose-toi plutôt. On peut s'occuper de mener l'enquête nous-mêmes. Non, non, c'est bon. Ça m'a pris au dépourvu, c'est tout. Allez, on y va! Au boulot! On devrait plutôt poser la question à d'autres joueurs. Nous obtiendrons peut-être des informations utiles auprès d'eux. Tu veux savoir si jouer à ce jeu me fatigue? C'est le moins qu'on puisse dire. Tu sais, je me donne vraiment à fond. Quand on s'investit autant dans un jeu, je trouve que c'est normal de s'épuiser. Tiens, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que c'est vraiment fatigant de jouer à ce jeu vidéo. Je pensais que c'était juste mes yeux qui fatiguaient, mais tout mon corps est raplapla après ça. Je n'ai pas fait de malaise ou quoi que ce soit, par contre. J'ai un ami qui m'a raconté qu'un ami à lui s'était évanoui. Mais apparemment, il passait 20 heures par jour à jouer à Ninja Heroes. À mon avis, n'importe qui tomberait dans les pommes en jouant autant. Je me rappelle même d'une fois où j'étais tellement à bout de force que j'ai dû aller à l'hôpital.
J'avais joué à Ninja Heroes toute la journée. Mais franchement, je comprends pas ce qui a pu me fatiguer à ce point-là. J'étais complètement HS. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me trouvais dans un lit. Le docteur a dit que j'avais beaucoup trop abusé du jeu. Maintenant, à cause de tout ça, ma mère me surveille de près. J'ai entendu dire que des gens avaient fait des malaises après avoir joué à ce jeu vidéo. C'est une rumeur qui traîne en ce moment. J'ai bien essayé de me renseigner moi-même, de creuser un peu cette affaire, mais je ne sais même pas qui a développé le jeu, alors c'est compliqué. J'ai posé la question au magasin, mais ils m'ont dit qu'ils l'avaient acheté en gros, donc qu'ils n'en savaient rien. Je trouve ça vraiment bizarre, je veux dire, c'est un jeu vidéo très populaire, pourtant. Bon, ça suffit, assez d'interrogatoires comme ça. Récapitulons toutes les informations qu'on a obtenues. Le jeu vidéo qui vide les gens de toutes leurs forces est bel et bien Ninja Heroes. Tout s'explique. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'étais tellement crevée avant. L'autre chose qui m'interpelle, c'est qu'on ignore apparemment qui a créé le jeu, d'après les infos de Boruto. Ouais. Ça prendra très certainement beaucoup de temps avant de pouvoir faire la lumière sur cette affaire. Malheureusement, les informations qu'on a obtenues ne sont pas suffisantes. Et si on poursuivait notre enquête? Ça marche. Hein? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui lui arrive à la Lune? Alors ça, c'est... Dites à tout le monde de se mettre à l'abri, vite! Le symbole du Sharingan. L'histoire des sceaux de la guerre des provinces. Très bien. Je vais aller enquêter de mon côté. Merci. Tiens, en voilà une copie. Et toi, est-ce que tu as eu des nouvelles de ton côté? Des informations suspectes me sont parvenues. Mais après t'avoir écouté, je soupçonne certaines personnes. L'organisation criminelle appelée Zéro. Zéro ? Mertz l'a fondée. Un ninja déserteur du village caché de la pluie. Ses membres veulent concrétiser la vision de Pain, ancien chef de l'Akatsuki. Pain ? Apparemment, Mertz se serait autoproclamé successeur de Pain. Mais malheureusement, c'est tout ce que j'ai. Je n'en sais pas plus que ça. Ils ont plutôt fait profil bas jusqu'à présent et pendant longtemps. Mais ils ont été particulièrement actifs ces derniers temps. Vu le moment où ce Tegusé dont tu me parlais a quitté le village, je dirais qu'il y a de fortes probabilités pour qu'ils mijotent quelque chose avec Zéro. Où est-ce que se trouve leur base? Je ne sais pas encore. Je vais aussi enquêter sur ce point. Désolé de t'accabler avec tout ça. Ne t'en fais pas. C'est pas un problème, ça fait partie de mon travail. Je vais moi aussi me renseigner sur Zéro. Reviens dès que tu pourras. Je sais que ça fera plaisir à Sarada. Je n'ai vraiment pas le temps de me reposer. Boruto?
Boruto, tout va bien? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Quoi? Tu me demandes ce qu'il y a? Mais tu n'as pas vu la lune? La lune? Qu'est-ce qu'elle a? Quoi? C'est donc vraiment arrivé? Imawari! Maman! Est-ce que ça va? Oui, oui, j'ai une drôle de marque. Regarde, mais sinon, je crois que ça va. Une marque? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai une, moi aussi? Laisse-moi regarder. On ne dirait pas, non? Oh, quel soulagement! Attends, moi ça va? Mais toi et Imawari? Ça va aller, ne t'en fais pas. J'irai à l'hôpital avec Imawari en cas de besoin. D'accord. Mais sois prudente. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Avec toute cette histoire, papa pourra sûrement pas rentrer à la maison dans l'immédiat. Je crois que même les outils ninja les plus avancés qui soient sont incapables de faire une chose pareille. La grande révolution de la souffrance est proche.